Le téléphone portable a changé les habitudes des populations. Important outil de communication, le téléphone portable est aujourd'hui indispensable pour tout citoyen. On fait moins de fois avec le téléphone aujourd'hui. Moi, j'ai mes parents au dîner. Je prends les nouvelles de mes parents au dîner à n'importe quel moment. Ça a changé aujourd'hui le mode de vie du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un problème et régler cela avec un téléphone portable. Rapide, simple et fiable, il permet l'accès à des applications ingénieuses et innovantes grâce à l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, l'on se sert du téléphone mobile pour transférer et retirer de l'argent sans passer par une banque. Le téléphone portable a donc apporté une certaine facilité dans la vie des populations. Pour les travailleurs, son utilité est indéfinissable. Le téléphone est en même temps ton bureau. Tu peux être à la maison, on peut t'appeler partout où tu veux. Quand je suis au travail, j'appelle la servante pour voir si les enfants sont bien rentrés, tout. Mais quand il n'y a pas de téléphone, je suis obligé de me déplacer moi-même. Le temps d'arriver à la maison et revenir, ça me fait perdre le temps. Mais l'usage du téléphone a des limites. Des statistiques révèlent que le téléphone mobile serait cause de nombreux accidents et aussi des tricheries à l'école, ce qui a valu son interdiction au volant et dans les établissements. Si on t'appelle, que tu as une communication, tu gardes et puis tu prends ta communication. Mais conduire au volant avec portable, ce n'est pas permis. Ça distrait les jeunes parce qu'ils sont captés sur leur téléphone. Le téléphone à l'école, ce n'est pas nécessaire. Quoi qu'on dise, ne pas avoir de téléphone portable de nos jours, c'est être coupé du monde. C'est en 1994 que la téléphonie mobile a vu le jour en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour plus de 19 millions d'abonnés identifiés en 2012.